Je ne veux pas signer le mot dans les maisons. Bien sûr. Voilà, vous avez signé. Oh là là, c'est le troisième chez moi. Vous avez signé dans le bas de la page, madame. Non, hein. Il n'est pas cher chez vous le papier, apparemment, voilà. Hein. Alors, d'après que c'est pas beau, le collet, là. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est mon anniversaire aujourd'hui, alors je suppose que c'est mon cadeau. Ben, dites d'abord, il y en a qui ont de la chance à votre ta mère. Hein? Parce que moi, vous savez, moi, j'ai 15 femmes, monsieur. Ça ressemble. Eh ben, à elle, tout un réuni, j'ai jamais eu un cadeau comme ça, moi. Oh, mais... Ben alors là, je demande à voir. Combien je vous dois pour le transport? 300 francs, madame, 300 francs. Attends. Eh, bon, il y en a qui font ma queue de la chance. Vous faire un chèque? Ah, c'est ça, ne dérange pas, madame, je ne vais pas faire du liquide. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y en a vraiment, ben, y en a vraiment qui ont de la chance. Hein. J'ai pas assez de liquide. Chérie, tu pourrais me prêter 300 francs. Je te les rendrai, voyons. Bah tiens. C'est bien. Eh oui. Vous m'avez dit, monsieur. 300 francs, monsieur. 300 francs. 300 francs. 200 francs. 300 francs. Dites-moi, monsieur, ce serait pas des fois du travail au noir? Ah, je vois que monsieur a beaucoup de l'humour, là. Hein? Ah, je vois. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, mesdames. Au revoir, monsieur. Tenez, n'oubliez pas votre bon. Ah oui, on va rassurer, on va rassurer. Je dis vraiment qu'il y en a de la chance. Ah, oui, bien sûr. C'est ça, mon cadeau. Eh oui, mon chéri, mais je m'aperçois qu'on m'a livré en pièces détachées. Ah oui. Alors, bon, ben, je vais demander un petit coup de main à tout le monde, les enfants, tout le monde au boulot. Allez, vite. Ça n'est pas que c'est le plus beau. Merci. Même pas me dire que c'est ce machin-là qui va remplacer Sophie. Et si, un robot dernier cri, un peu cher, c'est vrai, mais très performant. Marche avant, le robot avance. Auto, le robot obéit à tout ce que vous lui demandez. Et en option, il a même la parole. Tenez, on va faire un essai. Clara, allez dire bonjour à monsieur. Bonjour monsieur, je m'appelle Clara, je suis à votre service. Oh, enchanté. Oh. Enchanté, Clara. Contrairement à Sophie, Clara ne demandera pas d'augmentation, aura toujours bon caractère et fera toujours ce qu'on lui dit. Quoi de mieux? Alors, maman, c'était donc ça? Ça? C'est Clara. Elle ne vous plaît pas? Bah, ça va changer de Sophie, hein. Ah, bah ça, Jean-Pierre va sûrement trouver une différence. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Oui, oh, bah c'est malin, hein, prof. Bon, allez, les enfants, on va laisser votre papa s'habituer avec Clara. Hein? À tout à l'heure. Bonne chance. Courage. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter ça? Bonjour la conversation. Qu'est-ce que je vais pouvoir y dire? Vous habitez chez vos parents?
plus, ça marche pas. Vous habitez chez vos parents? C'est ce machin. Ah! La télécommande, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qu'elle a raconté? On va voir. Position 1. Oh, on verra bien. 1. Hop! T'es pas ça. Position 2. Hop, là, t'es pas ça non plus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, c'est sur auto, faut que j'appuie. Auto. Auto, oui. Bonjour, monsieur, je m'appelle Clara, je suis votre service. Mais ça, je sais. Je vous demandais juste si vous habitiez chez vos parents. Je ne suis pas programmé pour ce genre de réponse. Ah bon. Qu'est-ce que je vais dire? Puis-je vous demander votre âge? Mon dernier circuit imprimé a été connecté le 28 août 1994 à 14h28 minutes 30 secondes 40 millions. Mais je vous en demandais pas tant. Ça y est, moi je suis bien installé. Ah oui? Oh Jean-Pierre, oh Susanier, je vous remercie de... Oh ben. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? La dernière invention de votre fille. Un robot pour remplacer Sophie. Non mais franchement. Ah ben ça m'étonne pas, belle. Ah c'est donc ça la fameuse Clara. Eh oui. Attention. Dangereuse, truc. Oh, moi je la trouve charmante. Oh, oh je me présente. Je suis la belle-maman de monsieur. Bonjour, madame. Je m'appelle Clara, je suis à votre service. Oh! Oh, mais. Me dites. Oh, malheur! Clara, puis-je vous demander de me serrer la main pour me témoigner ma confiance? Oui, monsieur, je suis à votre service. Ah! Ça, je le savais, cette Clara l'a déjà partie. Ah non, ça, c'est pas vrai. Ah, ça peut être facile. Ah, ça y est, maman, tu es installée. Je vois que tu connais Clara. Qu'en penses-tu? Oh, moi, je la trouve super. Mais par contre, j'ai pas l'impression qu'avec Jean-Pierre... Jean-Pierre, mais il va l'adorer, voyons. Pas si sûr. Mais dis-moi, mais comment ça marche? Mais c'est très simple, oh là 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 là. Regarde, c'est très simple. Ben, c'est pour toi. Une télécommande, comme la télé. Marche avant. Là, là, là. Marche arrière. On va aller un petit peu plus vite. Tu vas voir, c'est marrant. Oh. Marche avant. Marche arrière. Marche avant. Oh, ben. Marche arrière. Auto. Oh, pas bah, dis donc, c'est formidable. Tiens, mais c'est marrant. Oh, bah, je sais pas si je vais bien y arriver. Hein. Oh, mais si. Oh, bah, allez, essaie. À mon âge, hein. Essaie. Attends, mais voir. Comment? Bon. Regarde. J'appuie? Oui. Regarde. Alors, Clara, voulez-vous aller me chercher un apéritif? Oui, madame. Vous pouvez laisser la place, hein. Veuillez préciser la nature de l'apéritif. Oh, bah oui, c'est vrai. Un kir, s'il vous plaît. Veuillez préciser la nature du kir. Ah oh, ben c'était compliqué. Oh. Pêche. Veuillez préciser pêche, bouche ou planche. Ah oh, ben vraiment. Qu'est-ce qu'on en perd comme temps? Bon ben je laisse ça et puis je m'en vais chercher l'apéritif. Oh. Attends, c'est pas gentil hein. Clara attend toujours quelque chose. Oh, qu'est-ce qui m'énerve? Bon, alors, t'aurais pas une position pause, stop, ou bien stand-by? Oh, mais c'est pas grave, tu veux peut-être dire stand-by? Bah oui, ça doit bien, être ça. Voilà, allez Clara, va coucher. Oh. Voilà, tu vois une vie. Oh, bon. Ben écoutez, on n'arrête pas le progrès. Un peu de tranquillité, un petit peu. Ah bah non, non, faut que je... Je serre un petit verre quand même, voyons. C'est la moindre des choses. Hein? C'est bien ton robot, mais ça manque un peu de chaleur. Tu crois? Jean-Pierre le trouve. Merci, penses-tu? Ah, ça ne m'étonne pas. Oh, je
dis donc. Ah ben t'as remarqué, j'aime beaucoup le jaune. À la tienne. Si. Tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup de jaune. Bon, ben tu sais, le jaune, on dit toujours que c'est la couleur jaune. Oh, ah, déjà, qui c'est ça? Je ne sais pas pourquoi tu veux voir. Oh, quand même. Ah, une petite goutte par-ci. Oh, Robert. Bonjour, madame. Jean-Pierre, tu peux venir, c'est Robert. Robert, je vous présente ma mère. Ah, enchanté, madame. Bonjour, monsieur. Jean-Pierre m'a souvent parlé de vous. J'avais pas eu l'honneur de vous connaître. Ah. Salut, Robert. Ah, salut. Aïon. Ça gosse. T'as eu le nez fin, juste pour l'apéro. Et qu'est-ce que tu crois? Aïon. J'ai des papiers à te faire signer. Ah ouais, bah tiens, installe-toi, hein. Pose donc ta manette, là. Ah oui. Qu'est-ce que tu prends? Pose ce que t'as, hein. Un kir? Oh, ben, il n'y a plus de kir, il y a un petit whisky peut-être. Il n'y a plus de kir? Ah bon? Ah ben, un whisky, ça ira pareil. Bon, ben, tu viens d'ouvrir. Clara, veuillez nous apporter un whisky, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Ah ben, ça, par exemple. Ça, c'est le même que le mien. Hein? Tu veux dire que toi aussi, t'en as un? Ah ouais, merci. Moi, chez moi, c'est Sarah. Mais les mêmes cheveux, les mêmes yeux. Ah oh, bah d'accord, c'est une épidémie ce truc. Ça fait 3 mois qu'on l'a acheté. Remarque, j'en étais pas trop fier, je t'en avais trop parlé. Bah, disons qu'on avait eu quelques problèmes avec la bonne, alors ma femme a préparé ça. Oh, ah bon. Bah alors, ah oui, et les problèmes avec la bonne, c'était des problèmes d'ordre professionnel. Bah